Il existe des lieux magiques où l'on peut faire des rencontres extraordinaires. C'est le cas d'Ibescadi, où j'ai rencontré un petit renard qui m'a fait partager quelques heures de sa vie intime. Ce renard, je l'ai repéré sur une botte de paille, semblant attendre quelque chose ou quelqu'un. Je ne savais pas. Peut-être sa compagne. Enfin, la voilà. Eh, c'est pas trop tôt. Après démarquer nos métiers, tout le monde part chasser. Lumeau, sauterelle, tout y passe. Mais la cohabitation n'est pas si facile. Bientôt, Monsieur Renard décide de s'en aller, faire sa vie tout seul. Ah, le paysan a laissé quelques légumes. Et est-ce que ce sera suffisant? C'est pas sûr. Ici, on dirait qu'il y a un petit mulot. Attention. Ça m'a donné soif. Et voilà ce que c'est quand on boit trop vite. Bon, et ben tout ça m'a fatigué. Je m'en vais.